Je sais pas trop quoi jouer là. Je sais pas. Merci pour être moi, Jérém, hop. Oh, la vidéo est incroyable, la vidéo de 5 ans. J'aime bien lui. Je peux prendre lui, tour après, prendre ça aéroport. Allez. J'arrive au top 1. Allez, ça me va. Merci, Capitaine Flamma. Merci, Dark Orcus, pour les 40 mois. Le mode mercenaire, on a des nouvelles. Il y a encore des gens dessus? Est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent à mercenaires dans le chat? J'avais entendu que quelqu'un m'avait dit, je crois que c'est dans le chat l'autre fois qu'il y joue encore, voire plusieurs viewers, je sais plus. Mais pense pas que c'est nombreux, là, si y en a. Il a rien, je peux pas y repoir. Mais il a fait quoi comme lancer de dés? Comment il peut ne rien avoir? Il a fait 2. Qu'est-ce qu'il a fait de son tour? Je comprends pas. Je comprends pas et ça m'arrange pas trop, mais bon. Hop. Qu'est-ce qu'il a fait de son tour, lui? Il a eu 3 juste up. Mais non, il vient de up maintenant. Il n'a pas de board, il n'a pas up tour 2. Il a 2 cartes en main. Bon bah. Genre je vois pas quelle serviteur il gardera en main là, ça a pas de sens. Genre il a gardé ça avec une bouche, un truc dans le genre, ça me paraît chelou non? Je sais pas trop. Ah c'est au mou, j'allais dire comment il a de Naga lui. Ok je vois. Bon bah ça plus achat j'imagine. Après c'est la thune qu'il a. Ouais. Je vais avoir le dragon en main, donc si je chope eux, ça peut être cool en soi. Vas-y. Cool, c'est un grand mot, mais. Ok. Bon, là. Je pars en fin de tourne rouage, mais dans ce setup, on peut faire avec. Je pense pas que j'ai freeze ça. Tu as fait 100% de fait sur ma tarante d'ailleurs. Je crois que j'ai tout fait. Oh, incroyable. Je crois que j'ai tout fait, sauf. Peut-être que j'en trouve un deuxième de tourne rouage, c'est pas dégueu. Hein. J'ai juste pas essayé le tour 3 FK. Et je l'essayerai pas. Parce que c'est juste fait exprès de perdre la plupart de tes games quoi. Je sais en plus comment le faire facilement le Wouffet d'AFK, mais je ferai pas ça. La strat est simple. Faut le faire by low, bah c'est ça la strat. Genre je full lose, je me retrouve contre des débutants ou des mecs qui live et après je peux le faire facilement, mais. Non merci. Je ne ferai pas ce genre de choses. Oh, va te faire foutre. Excusez-moi, j'étais vulgaire, mais ça m'agace. Oh. Ouais. Chaque tour, je peux up à Aéroport grâce aux pièces que j'ai eues. Ah, Ophelken, je sais plus, l'a bien fait à Willow. Bah, il a dû chatter. Genre, dans tous les cas, il faut chatter. Genre, tu ne peux pas passer à tour 3 sans chatter. Genre,
C'est juste débile. Après, Pierre, Paul, Jean, Jacques, pour l'avoir fait, il a chaté, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Tard, ça aussi, m'autour des Wicca, oui, mais c'est avec le 4 gars où tu peux abuser. Mais pareil, il a chaté de fou, même sur cette game-là. Même à Wicca, il a chaté, j'ai vu la game. Et vas-y, il m'emmerde, lui, hein. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais. Il m'agace. Pas envie de prendre le pactole, je vais prendre ça en vrai pour faire proc E, vas-y. Ouais, on va booster ça en main, ouais. Je suis heureux. En tout cas, en vrai, elle le mort, c'était bien pour moi. J'ai pris des boosts sur les autres, c'est cool. Au moins une bonne nouvelle dans ce monde de brutes. Ah, j'ai peut-être dû avancer lui. Ouais, je vais le mettre en 1 ou 2, my bad. Faire un petit plus à plus 1. Il a l'air de faire une game bizarre lui, hein. Il a l'air de faire une game très bizarre le monsieur. Ah. Que je risque de bouffer lui, mais en même temps je vais avoir un autre dragon en main, mais ouais. Deux, je peux avoir un autre tournoiage. Ou la petite fille, vas-y go. Hop là. Pouah, malin. Ouais, d'avoir autre chose que les cartes de merde. Je n'en puis plus. Je me dis qu'elle cherche un boxeur, ça peut être bien après si je fais des gros magnétismes en main, mais bon. On n'est pas encore là. On va voir ce qu'il nous fait de lui. Ok, je peux up sans devoir acheter l'autre, tout tranquille. Compo shield. L'IA du bot est pas cliquable, il manque un espace. Ah, c'est gênant ça. Yep. On peut jouer une compo Exodia, please. Moi, je suis chaud pour jouer Exodia. Mecha Exodia. Sans héroïne, mais bon, sans crier. Est-ce que dans cette game, c'est jouable? Ça semble des sorts, ouais. Go Exodia, please. 2, 3.
Faire une paire en main, j'en ai marre là. Exodia. Bonsoir, secteur. Ok. Est-ce qu'on peut jouer Exodia? Navette Kangor, Vaifand. Dynamiteur, comme ça. Deuxième Omega en soi. Oh, mais... Ah. Faut pas que je le taunte, lui. Du coup, je up pas. De toute façon, les Kangor, faut que je trouve en flat pareil les Vaifand. Après, si j'ai plus de chance de les trouver. Peut-être que je suis quand même à up hero power, là. Up vent hero power. Père. En bord des trous nazes. Ah, ça ira pas pour Kangor ça. Ah, c'est trop chiant en vrai. Oh, c'est trop chiant les trois. Je pense que je vais juste prendre Pillard en vrai. Je pense que ça va me douiller. Si jamais je veux jouer Exodia, c'est... ça se mettra mal. Non, F. Manque 6 cartes pour Exodia. Ouais, mais bon. De toute façon, si on part pas de quelque part, on peut jamais jouer avec Exodia. On est quand même tout vite, genre, c'est quand même tôt pour l'envisager en soi. Juste après, j'ai deux paires, j'ai un bien triplé. J'ai au moins un peu skin en main, mais bon. Par contre, lui, ça va quoi. Si tu veux jouer mecha, tu veux pas booster la taverne. Je veux pas jouer mecha, je veux jouer Exodia. Et si je joue Exodia, il faut pas les booster. Autrement, ma stratégie ne marche pas. Ok. On va jamais les tripler, j'ai compris. Il y a le dynamiteur, même si pour moi c'est cringe, après contre ce qu'il joue, c'est fine. Ouais. Oh. Mais heureusement, il avait rien pour moi si. Trouver.
Faut juste que le Dynamiteur meure là par contre. Tue le Dynamiteur, je t'en supplie. Tue-le. Nice. Ok, faudrait que je vire le taunt après. Ou que je détaunte au pire. Mais bon, je sais pas si c'est garder les autres de toute façon. Hello! Exodia, dude. Le problème, c'est que mon gros pouvoir va me servir à que dalle. Y'a personne qui va jouer Exodia là. Sazerlin c'est chaud, bof, si je trouve rapidement deuxième Kangor, je suis bien, il me fera un autre truc, mais bon vas-y, go up, je pense quand même. Oh là, ok. Ok. Après dans le pire des cas, je peux faire... ça, je pense. Au pire, changer Hero Power. Ah, mais c'est le plan, hein. Le plan, c'est de changer Hero Power. Je pense que je dois virer ça probablement. Bonsoir, Castor. Comment tu vas? Le Dynamiteur qui tue tout et Kangor qui ramène plein de méca boostés par les Omega. Oui, c'est ça. Exodia, c'est ce qui a mis en méca. Je pense qu'actuellement, la meilleure compo méca, c'est Exodia, oui. Juste qu'on la voit pas souvent parce qu'elle est pas évidente à setup. Et genre, si tu tournes tes Omega, t'es baisé. Si tu boostes les shops, t'es baisé. C'est pour ça que j'ai pas joué. C'est pour ça que j'ai pas pris la roue de Yogg. Autrement, ça risquait de swap les stats, ça pouvait me baiser. J'ai pas le droit de booster ça, autrement, c'est trop la merde. Me tenter ça en soi. Ça peut encore top Exodia. Oui, c'est un game est rapide, oui. Après, si ça va en very late game, c'est chaud, mais. Regarde, le mid game est débile en fait. On la voit quasiment jamais. Normalement, ce compo, si vous jouez. Si vous l'avez pas vu à l'époque, vous l'avez probablement jamais vu. Perso, j'adore à jouer. Le mid-game est tellement débile avec cette compo. Si ça marche, c'est une vidéo YouTube. Bon, j'en ai déjà sorti quelques-unes. Après, récemment, j'en ai pas montré des compos Exodia, mais ouais. Donc là, ce qu'on voudrait faire, c'est rentrer deuxième Kangor. Voilà. Globalement, on veut virer ça et rentrer deuxième Kangor, c'est déjà pas mal. Et même virer ça, en soi, il vaut mieux que je vire ça et ça et que je rentre deux Kangor, ce sera mieux. Et après, va y faire doré ou quoi, ça peut être cool, mais pas évident. Booster ça aussi, pas évident non plus. Échanger du repower. On peut mettre un bouclier d'Iva là-dessus aussi, on sait jamais. Bon. Hero Power, il avait Vifand. Qui avait Vifand, lui? Les gars, c'est Tchak, c'est le prochain adversaire. Hein. C'est pas l'adversaire précédent. Faut plus jouer au jeu, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Restez concentrés, le chat. Restez concentrés. Concentrés, le chat. Let's go. Actol. Après, je peux vendre ça et tenter Hero Power là éventuellement. Des fois qu'il y aura une autre Vifand. Après, il faut vraiment que je le booste pour pas que ça troll, mais bon. Tant qu'à faire, autant faire ça, je pense.
Ouais. T'es full fumeo, Liège, il avait Titus. T'excuses pas, t'avais raison. Mais frérot, mon pouvoir, c'est découvrir une copie non dorée d'un serviteur de la troupe de guerre de votre prochain adversaire. Oh là. Il y a un mec qui se trompe et le mec vient me dire que non, c'est moi qui me trompe, quoi. Please, quoi. Oh la gueule. Alors, on est où là? Genre, le mec confirme que le mec a raison alors qu'il se trompe. Les gars, je connais un peu le jeu. Hein. Encore une fois, vraiment, imaginez un mec qui vient sur mon chat et qui lit le chat et qui ne me connaît pas, il pense vraiment que je suis la merde au jeu. Hein. Vraiment, chaque fois que je joue mes games et que je lis le chat, je me dis, mais c'est pas possible. Genre, ils savent que je connais un peu le jeu quand même. Genre, on sait jouer, on connaît un peu. Concentrez-vous, le chat. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Top 2. Undead, normalement je suis plutôt bien. Hein. Je suis trop confiant contre Undead. Pour améliorer la compo, après c'est chaud. Hein. Il y a un monde où je me matador. Je mets 3 avec, mais c'est trop chelou. Faerix, il meurt avec Dynamite Reforn. À moins que je mette Vava, quoi. Faerix, Vava. Mais bon, si j'ai Vava, j'ai envie de le mettre là-dessus. Je pense pas que je pique l'armure parce qu'il faut le fumer rapidement, je pense. Si la game dure trop longtemps, je suis foutu. Ok, ça on voulait. Si mon rival, il y a un monde où là, va y fondre. Spell double ras d'agonie. Mais il y a plus ce spell là, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Oh là. Le chat, s'il vous plaît, faites un effort. Trop nul, trop nul, trop nul, tout est nul. C'est nul à chier. On va prendre 2 gold. Ça, si jamais il a des gros. Le truc c'est. Ouais. Souvent ça marche pas, mais j'ai pas grand chose d'autre à faire. Avec Namiteur c'est bien, mais. Pour le tenter, hein. Creeper est nul dans la compo, je vais pas le jouer. Je vais faire ça. Je pense que je peux le battre, le problème c'est qu'après il peut avoir du temps pour s'adapter, ça c'est relou. Faut voir ce qu'il y a comme compo. Le problème c'est que ça ne marche pas contre des chevaliers éternels s'il en a, mais je crois pas qu'il en a. Hein. Il en avait pas en early donc ça m'étonnerait. Mon avis c'est full rip-hop et dans ce cas-là ça peut être pas mal pour moi. Allez. Ok. Une chance sur deux de le tuer. En gros, ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas compris, Dynamiteur tue tout. Tout meurt. Ensuite, les Kangors ramènent. Putain, il a snipé le Vifor. Ensuite, les Kangors ramènent full Omega. Et ensuite, les deux Omega qui sont morts boostent tous les autres Omega. C'est pour ça que j'ai un Giga Board avec Giga Rip Hop. Par contre, il est pas mort, je crois, vu qu'il a snipé le Vifor. Ok, alors peut-être. Est-ce que ça tue là? Je crois pas. Hein. 6, 12, 18, on a Vatia. Il a Vifor, tu peux plus en pouvoir. Oui, j'ai essayé le tour d'avant en me disant peut-être qu'il y en a. Mais après, de toute façon, Vifor doré actuellement est nul sur mon board. Ah, si, pas de conneries. Ça, tu seras pas assez cover. Lui en 20-20, encore une fois, why not? Mais pour qu'il résiste au Dynamiteur. Mais bon, en fait, ce que j'ai peur, c'est surtout qu'il prenne le counter et. Il faudrait que je booste ça Vava s'il joue l'oiseau là, vous avez compris, je sais pas si vous avez compris. Il me faut le Vava là-dessus pour cover. Tirailleuse, ça pourrait speak en vrai, et la foutre à droite peut-être. J'avoue que Tirailleuse, je pourrais la taper à droite au pire. Ouais, le Worgen d'Isva, j'ai envie de me protéger. J'avoue qu'une Tirailleuse que je tape à droite, c'est pas gênant du coup. Faut que je tape là, c'est ça, hein? Yep.
Si lui prend un heure, t'as perdu. Chut, il est peut-être sur le stream, dis pas, dis pas. Mais... Faut le spalvava, quoi. Gros. Ah, Divine Shield, bah génial, comme ça je vais ramener des os sur mes Kangor, je vais être vraiment bien. Hein. Je vais kiffer là. Au dynamiteur, c'est bien ça en vrai. Si jamais il a le dynamiteur et au pire ça contre pas, c'est pas gênant, je pense. Ça peut être chiant, faut que je tape en premier quand même. Ok. Ouais, je sais le chanteur, mais j'ai pas trop envie de spoil le chat. Dead bro. J'aime ce que je vois. Bonsoir, H. La compo Exodia, messieurs dames. On la voit pas souvent à tort. La compo est meilleure quand il y a des tribus faciles à battre. Je pense que contre bête déjà c'est compliqué. Après le fait qu'il y ait mort-vivant dans la game j'aime bien parce que contre mort-vivant souvent c'est good comme compo. Donc si je vais en late game contre un mec qui joue mort-vivant, je sais que souvent je peux être bien. Sauf s'il a fait une giga compo avec Moro, ça peut être un peu relou peut-être, mais encore que. Et en gros là où la compo était meilleure avant, c'est qu'avant le slot manquant. Donc là je pouvais mettre l'artificier là, celui qui. Que le mec jouait, le briquet. Mais avant ce qu'on faisait c'est qu'on jouait héroïne. Et du coup, quand tout mourait avec Namiteur, bah, l'héroïne proquait, héroïne dorée, c'est possible. Et du coup, bah, tu récupérais full Omega, full boosté. Et avec des shields grâce à l'héroïne dorée qui donnait 4 shields, du coup. 4 shields à potentiellement 6 Omega, voire le Bifort qui prenait le shield. C'est sympa de voir cette nouvelle tribu. Mecha, c'est ça? Je pense qu'elle a du potentiel. Ça a du potentiel, Mecha, hein, oui. amélioration, bah comme j'ai dit, essayer de protéger lui avec le spell qui transforme en Vava. Et après, peut-être changer d'Hero Power pour derrière avoir un Vifort doré, ce genre de choses, mais il faut le booster du coup. Ce problème de Vifort doré, bon après il aura assez de points de vie pour tanker de façon stylée dorée. Attention, chose importante, regardez bien le placement parce que j'ai reçu plein de messages à l'époque de gens qui ont fait la même compo que moi et qui ont mis des Omega devant les Kangor. Si vous faites ça, vous avez perdu, hein. Le placement est important. Le Dynamiteur tue tout. Ensuite, les Raldonis s'activent dans l'ordre. Donc, une fois que lui a tout tué, sauf le Vifand, les Kangor vous ramenez chacun 2 Omega x2 grâce à Vifand. Donc, 4 et 4, ça fait 8. Donc, bah 6, vu qu'il n'y a pas la place. Et ensuite, les Omega vont booster tous les autres Omega. Si vous faites dans l'autre sens, il se passe quoi? Bah, vous avez full Ripop sur le board. GG, vous avez perdu. Donc, eux, derrière les Kangor.